viva viva. Toyagi kotika mutu te. Madame, oza wapi? Fumwa manza. Oh les enfants. Papa. Bonjour papa. Papa Naban. Na gagné marché. Oh ya l'état. Bien sûr. Oh nzamba zo lokumu. Yo mutokota kan internet. Lukanda kwa kitoko na Los Angeles na somba yango. Musalango kutu ya kobongisa mboka oya leta nano salite ndaku na Los Angeles me wele komi detournema oh talangai talabana kuba sadilanga kuba dilanga kuba dilanga kuba kanga milanga keba na ijef na justice mboka ninge tomboki boe attention stop le détournement des deniers publics est punissable de 20 ans de prison bon petit ah bah j'étais manasaba ni modele Société Mayuya Import Export. Mon Dieu. Merci. Ah, 100 000 dollars. Aujourd'hui, m'amboula dans mon pépé. Ou en déjà théorie, tout ça la pratique. Bon, qui t'a mouqué? Bon, tout ça la négé, tout ça la. Yo, pesangai 50 000 dollars. 49 000 dollars, wana, tout tikelio. Moi, 1000 wana yasuka. Tu vois qu'il n'a qu'à se arrêter de toutes les façons. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit que tu as dit. Chef, et Belambongo, on a 1000 dollars qui sont dans l'État. Foutambongo, on a une caisse à l'État. C'est le chef de mission qui parle et qui décide. Ok. L'inspection générale des finances et la justice seront au courant. Stop. La République démocratique du Congo a besoin de ses ressources pour son développement. Message de l'inspection générale des finances. Mediacongo.net. Voilà, pendant que on attend les diverses consultations par le président de la République ou la personne qui sera désignée, on pense à Kitenge Yezu. Alors, Mwenga, Fizi, Uvira, l'armée annonce avoir neutralisé 27 rebelles et récupérer le quartier général des FNL dans la zone. FNL, c'est une rébellion burundaise. Comme vous pouvez le voir sur l'illustration. Donc, on va bouger le curseur pour lire la suite. Les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, annoncent avoir neutralisé au moins 27 rebelles et récupéré un grand bastion considéré comme le quartier général du groupe armé burundais Force nationale de libération, FNL, ce samedi 24 octobre 2020. Outre cela, elles annoncent également avoir perdu 3 éléments sur le champ d'honneur et 4 autres ont été blessés. Le porte-parole de l'armée du secteur opérationnel Sukola 2, sud-sud Kivu, le capitaine Kasereka Dieudonné, indique « C'est ce samedi 24 octobre 2020, après 3 jours d'intenses combats, que les FARDC ont délogé et récupéré le quartier général des rebelles burundais FNL, dirigé par Aloïse Nzabampema. C'était situé dans le village Naombe, en territoire de Mwenga, 50 jours après le lancement des opérations de grande envergure dans les hauts et moyens plateaux d'Uvira, Fizi et Mwenga, contre tous les groupes armés locaux, nationaux et étrangers. Vous verrez que c'est dans les environs toujours de Minembwe. Évidemment, le territoire de Fizi aussi. Il indique en outre qu'au même moment, d'autres affrontements ont été signalés entre les FARDC et les résidus CNRD dans les localités de Kahungwe, Kanga et Rugezi dans la plaine de la Rosizi. Voilà. Ces villages étaient occupés auparavant par les éléments CNRD et Maïmaï
Kijangala. À ce jour, le bilan de tous ces affrontements font état de 27 à un ami neutralisé. Plusieurs armes et munitions récupérées par les FARDC. Trois éléments FARDC sont également tombés sur le champ d'honneur et quatre autres blessés, a déclaré Dieudonné Kasereka. Par ailleurs, Dieudonné Kasereka renseigne que ces rebelles pourchassés par l'armée se sont retranchés dans les forêts de Muramvya, Nyaburunda, Kashongo et dans la vallée Nyanzale-Rudaga. Le commandant du secteur opérationnel Sukola 2 appelle alors la population de la zone à bien collaborer avec l'armée pour dénoncer tout mouvement suspect, ainsi mettre totalement hors d'état de nuire ses ennemis de la paix. Ces ennemis de la paix sont en débandade vers les forêts de Muramvya, Nyaburunda, Kashongo et vallée Nyanzale-Rudaga. Le commandant secteur opérationnel Sukola 2 Sud-Sud Kivu, le général de brigade Gabi Boswane, demande à la population de Fizi, Mwenga et Uvira de toujours collaborer avec les militaires FARDC en dénonçant les cachettes de ces hors-la-loi afin qu'ils soient mis hors d'état de nuire, a-t-il poursuivi. Information donnée par Jean-Luc M, Média Congo Presse. Voilà, chers compatriotes, ce qui se passe pendant que tous les yeux, toutes les oreilles se prêtent vers la présidence qui promet des consultations à partir d'aujourd'hui. Voilà, chers compatriotes, on ne peut jamais oublier ce qui se passe à l'Est. Et c'est toujours dans les environs de Minembwe qu'on entend toujours des tirs. Bon, je ne manquerai pas de vous montrer une photo du jour. Ça, c'est Olive Lembe à l'Est. On ne sait pas pourquoi elle fait ça. Elle n'avait jamais fait ça quand elle était première dame. Elle fait ça maintenant qu'elle est ex-première dame. Quel est le but? Est-ce pour préparer une future candidature? Je ne sais pas. Elle a eu 18 ans pour faire tout ça. Pour moi, c'est un raté. Eh bien, c'est son choix. Ça, c'est encore une autre photo. Est-ce pour faire un projet d'aider ces pauvres gens, ces pauvres paysannes? Ou est-ce pour s'en moquer? Je ne sais pas. Ou elle se moque des Congolais? Je ne sais pas. Bah, eh bien, le titre Olive Kanambe après 18 ans, c'est le titre. Eh oui.